C'est à toi de faire l'intro, c'est toi capitaine, capitaine. Ah, bonjour et bonsoir, panique. Non, en fait, stop, haut les mains, fais l'intro. Bienvenue sur Comme d'habitude Gaming. Voilà. Viens, on retourne sur la planète. En fait, on est revenu en arrière sur une planète, normalement, qu'on est censé avoir déjà fait, je crois. Oui, qu'on a même déjà fait. Attends, faut qu'on retourne en arrière, c'est celle de l'épave du vaisseau pour récupérer les composants la recherche qu'on a dû abandonner ici parce qu'on n'avait pas les points de compétences nécessaires pour les avoir sur le scanner. Attends ton ingénieur préféré. Ça marche. Ah bah il y a même des modules qu'on respawn sur la station. Non, on est sur planète là. Sur la planète, oui. Mais c'était pas sur planète que je devais me TP ici? Si, mais il faut une tenue. D'accord. Ah, tu veux aller dehors? Bah oui, c'est dehors qu'il y a la... qu'il y a les trucs à trouver. Pour ça, fallait une tenue. J'ai trouvé un composant aussi de vaisseau qui est le Military Grade Shield Generator qui est à 1400 de points de vie. D'accord, qui se recharge de 45, ce qui est plus que le nôtre, et qui est plus grand. Et je ne vois pas de recherche, donc nous pouvons faire demi-tour. Voilà, c'est tout. C'est un échec. Toute notre opération et notre vie est un échec. Après, on n'est pas allé jusqu'au bout, mais. Non. Même quand tu les zoomes au max, tu vois toute la carte. Peut-être on en avait déjà récupéré aussi. J'en ai récupéré dans leur vaisseau. Dans leur base, je te rappelle. Voilà. Le seul qu'on a d'ailleurs, on l'a trouvé ici. Rappelle-toi. Ok. Donc je vais juste reposer la combinaison. On peut repartir, on va prendre la porte des étoiles et on va aller chercher deux autres planètes qui sont proches d'un boss. Et peut-être se défaire le boss au passage s'il n'est pas trop relou. On saute! Et à la prochaine station de réparation, nous changerons de bouclier. Ah! Mais. On passera de 1900. De 9000 et quelques de consommation à 21000. Ah! Ça peut être douloureux ça! Oui. Mais on aura aussi une meilleure protection. Ouais, et on aura encore une cyberdéfense à genoux. Ok, comme d'hab. Notre cyberdéfense est de 2.0 hein. Elle est à genoux. Mais les autres ils sont au 2.2 donc on est à genoux. Et on fait pas un fight sans, pas se, bouffer un, sans se bouffer un virus donc ça va quoi. Attends, faut juste on que je parle de ta cyberdéfense, elle vaut pas un clou. Enfin c'est ce que m'a dit Girofle. Ouais je pense aussi. Girofle. On attend l'alignement du vaisseau pour pouvoir sauter. Non, on ne saute pas parce qu'on prend la porte. En fait. Ah. Regarde. Là à gauche. On prend la porte. Ça ne va pas utiliser. On a payé 175 crédits, soit le prix à peu près d'une capsule de fuel ou deux, pour éviter une dizaine de sauts. C'est extrêmement rentable. Oui. Alors surtout ça quand tu es coûter deux fois plus cher ou trois fois plus cher. Te faire gagner un temps fou sur le chaos level, mais bon, ça en fait ça ne génère pas de chaos level de prendre la porte. Non, mais ça t'as pas compris. Vu qu'avec le temps, plus on saute, plus on découle du temps, donc plus le niveau de chaos augmente. Oui, donc prendre la porte te fait économiser du chaos. Voilà, je te prépare à sauter hein, vraiment parce qu'on s'emmerde ici, hein. Oui, et on va aller faire les deux planètes. Quoique, on peut même faire une session full planète parce qu'il y a plein de planètes à côté. Je vois ça. Eh ben vas-y, session planète. Allez, session exploration planète. Il faut savoir que s'il y a des énigmes, on rechargera la partie pour les réussir. Parce qu'il y a des énigmes en fait qui peuvent nous donner des trucs très très rares et très très bien, et même que j'ai jamais réussi à les faire parce que je suis un gros boulet.
Capitaine, on m'a tiré dessus, capitaine. Quoi? On m'a tiré dessus, capitaine. Là, t'es allé dans la station. Quel bah ouais. Faut pas y aller. Bah, trop tard, j'y suis. Ça te donne du chaos. T'as vu, mec? Le tue pas, hein. Bah, trop tard. Je vais tirer dessus, je vais tirer dessus. Putain, mais tu viens de nous donner un point de chaos level. Ça s'est donc très bien passé, capitaine. J'entends le bot te soigner. Alors moi je vais faire des trucs disco autour de moi. Wow wow, mais regarde pas d'aussi près, meuf. Je fais peur. Voilà, nous sommes arrivés à la planète. On peut sauter là? Non, on est à la planète. Haute sauter. Température. Je t'ai porté. Non, non. Je haute température. J'ai trouvé un document à terre, capitaine. Dans la station. J'arrive. J'ai trouvé du fuel, capitaine. Je prends du fuel, capitaine. Trois cellules de fuel, capitaine. T'as regardé ta... Je peux rentrer dans une cave, je vais peut-être pas rentrer tout de suite dans une cave, capitaine. Non, faut qu'on descende. Et y'a des ennemis en dessous. Regarde ton scanner. Et y'a encore un objet à récupérer à droite. Je sais pas, mais je vois plein de points rouges, ça va pas l'air très rassurant, capitaine. Y'a un mur, capitaine. Ah oui, là. Oh. Y'a du sang orange, là. Quelqu'un de très gai est mort. Y'a un ennemi, y'a deux ennemis par là, capitaine. J'ai trouvé un nouveau pistolet si tu veux. Il y a deux ennemis par là. Le mec il en a rien à foutre. Hein. Là, prends le pistolet. C'est un quoi? C'est un smuggler. C'est un pistolet qui tire très rapidement avec des munitions. C'est de la merde. Moi je suis au phasique. Hein. Encore un normalement sur la gauche. Y'a rien à gauche. Rien à gauche? Il est mort. Non mais quand ils sont morts, ils restent un petit peu sur le radar. Par contre, j'ai un truc violet indiqué sur le radar, rouge-violet. Le violet c'est le téléporteur. Ok. Oh, viens voir. Je scrape des trucs intéressants. Un Waxthorn. Je prends. Oui, c'est de la recherche. Bon bah il reste plein d'autres trucs partout hein, capitaine. Hein. Allez, on va purger. En 3 on approche, capitaine. Hein. T'es bourré de flingue en plus. Bien mon pistolet, hein. Ouais. Alors. Il y avait un ennemi sur le radar, mais il y est plus. Oui, c'est dire qu'il est mort. Le point bleu, c'est quoi, capitaine? C'est quelque chose que tu. Lequel? Le foncé? Ouais, je sais pas, ouais, y a un bleu. C'est une porte. Trouver une porte, capitaine, sur le radar. Bon, c'est celle qui est au-dessus. Ouais. On voit que dalle, capitaine. Viens ici, on voit des choses là. Ah, j'arrive. Nose plus earrings and lock. Super, je débloque du skin. Tiens, va là-bas. Ramasse ça là. Pourquoi tu veux que j'y aille? Pourquoi je vais prendre des dégâts? Non, tu vas pas prendre des dégâts. Si tu veux, j'y vais, hein. Moi je m'en fous, hein. C'est l'expérience. Ah, c'est comme ça, posé comme ça, c'est l'XP. D'accord. Encore la musique. Hein. Oui, oui, non, oui, par contre. Il y a encore un ennemi par contre. Hein. C'était un slime de lave. Et il y a une porte. Donc on prend la porte. Voilà, ne marche pas dans le feu ça brûle. Et regarde, il y a trois slimes de lave qui sont au fin fond et à droite. Il y a des trucs bleus à récupérer. Si tu veux y aller. Tu veux dire où ça? Ces trucs que t'es en train de récupérer là. Non, il y a d'autres trucs encore à récupérer. Ah, faut qu'on saute de l'autre côté. What? Ok, la pince de grue n'existe pas, capitaine, hein, faut faire gaffe. Je m'en serais douté. Connaissant le début, je sais pas. Ça avait l'air tangible pourtant, capitaine, mais je pense que c'est une déformation liée à la température, capitaine.
Ouais, je pense c'est une déformation de ton esprit. Dernière nouvelle, l'acier c'est tangible, mais je suis pas sûr, Captain. Moi je suis qu'ingénieur, Captain, je sais pas. Vous êtes pas scientifique en méta quantique des métaux? Ouais, c'est ça, ça fait... j'ai pas fait 12 ans d'études ou 15 ans d'études, je sais pas, en fait. Y'a un truc là, non? C'est un picot. À gauche. C'est de la déco. Ok. En fait, c'est un petit pic qui sort de la lave. En fait, on passe tel. Oh, attention, derrière toi y'a un slime qui est sorti. T'as l'air de maîtriser, Captain. Voilà. Normalement, sur notre gauche, là, il y a des trucs à récupérer. Là, je sais, ici. Joli. Et on peut reprendre la porte qui est juste à côté, du coup, juste ici pour retourner au téléporteur. Ah, c'est la fameuse porte de la cave. C'est ça. Bah, donc. En tout cas, moi d'habitude, ma cave est plutôt fraîche et j'y range mon vin, mais là, ici, ça a pas l'air d'être le style. Je crois pas que ce soit les gens qui boivent pas d'alcool. Y'a rien au-delà? Non, y'a rien de ce côté. J'ai juste voir au cas où il y aurait un objet posé. À la con, est-ce que tu détectes pas, genre un flingue, un truc comme ça par terre? Non, je les ai pas vus tout à l'heure. Ouais, donc tu détectes pas. Ok. Entre dans la structure, Captain. Voilà. Le vaisseau, Captain. Alors, on vient de partir, Captain. Au revoir, Captain. Ah, y'a Jacqueline qui me laser. Attention, y'a Jacqueline qui va te laser. Hein. Non, j'ai pas perdu de point de vie, moi. Ah, bien joué, Captain. Ouais, vous êtes trop fort, Captain. J'aurais pas dit ça, Captain. Non, parce qu'au dé, vous allez pas grand chose, Captain. Bon, je suis censé mettre des points dans ton labo de recherche, Captain. Ah, ouais, là-dedans. Alors, je lui mets un pulse grenade. Non. Pas ça, Captain. Un jumbo biscuit. Un waxthorn, un waxthorn et un waxthorn. Je sais pas si on avait d'autres choses. Hydraté de sandwich, bottle, machin, déshydraté de sandwich, scanner, ok. Vas-y. Ça me paraît déjà bien, Captain. Tu peux compresser. Ça compresse là, non? Ou j'ai annulé comme ça? Faut que tu fasses ready. Ready. Hein? Au-dessus. Au-dessus. Ouais. Voilà. Yes, on a 3 bidoux chelous maintenant. Bravo, Captain. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on gagne? Rien, il n'y a rien d'intéressant, honnêtement. Regarde, attends, je vais te donner pas, un truc. Moi je vois upgrade, turret et power dans le même mot, dans la même phrase, si tu veux, Captain. C'est, moi, c'est pas pour l'ingénieur. Mais je m'en fous que ce soit pour l'ingénieur. C'est pour le turret man, non? Ouais, mais elles vont charger 4% plus vite. Mais on n'a pas ce qu'il faut en plus. Il nous manque 3 verres. Regarde. D'accord. Alors, je sais pas, c'est toi le Captain. Moi je suis pas au courant. Il faut que je suis dessus pour savoir. Ah ouais, bien vu, Captain, bien vu. Tiens, Knarfang, prends de la drogue. Une Botrix Crystal from John McAllen. Ok. Oui, non mais en fait c'est légal de l'avoir. Ok. Bah je veux du dépôt de dope. Allez, on jump. Attends, je vais voir si ça donne pas de la recherche quand même. Captain, la personne civile se plaint du déroulement de la vidéo, Captain. Il faut qu'il se passe des choses. Ah ouais. À ce qui paraît. Hein. Bah ça donne pas de points. Sinon, ah bah. Sinon ça va vite se transformer en ASKIP, pareil. ASKIP. Lol. Ah, il fait froid. Et apparemment il y a une station de la Colonial Union ici. Allons rendre visite à mes compatriotes. Pas pardon? Quoi? Bon, alors, faites pas chaud par là, Captain. Je suis pas sûr hein. Je suis rentré dans la station, Captain. Il y a d'y avoir une sacrée marche, Captain. Call le 911. Ah, call the police. Allez. Voilà, Captain, étage il reste plus qu'à trouver le panneau pour descendre. Ah, ça descend il tout seul sans panneau, Captain. Oh, regardez. Une quête, Captain. Cette personne porte spécialement le nouveau point d'exclamation vert sur la tête. Nous acceptons ta quête. Au revoir. Je pense que c'était quoi? Je crois qu'elle nous a demandé un paquet de chips, je suis pas sûr. D'accord, cette quête est cassée, chef. Comment ça, cette quête est cassée? Fouillons et pillons tout ce qu'ils ont.
me permettrai pas, Capitaine, voyons. Bien sûr que si, nous ne sommes pas d'accord. Je trouverais ça parfaitement indécent, Capitaine. C'est pas ce que t'es en train de faire ? Pas du tout, Capitaine. Je suis en train d'observer comment ce lit n'était pas très bien fait. Hein. Franchement, la rigueur scientifique n'est plus. Hein ? Franchement. Ce toilette est très très propre. Enfin, ce toilette est très très étrange. Hein. Je dirais pas aux autres toilettes ici, Capitaine. Hein. Je préfère aller aux toilettes dans notre vaisseau où nous ripérionnent les fesses. Hein. Croyez-moi bien. J'accepte votre quête. Bonne journée. Ah, je décline votre quête. Bonne journée. Vous avez un problème avec votre point d'exclamation, madame. Les quêtes de cette planète sont cassées. Officiel. Capitaine, je suis dans une forêt, fait un peu frais. Hein. Sors ton scanner et arrête. Il y a une tornade, chef. Il y a des araignées droit devant. Il hein. y a une tornade, chef. Est-ce que c'est très embêtant? Un petit peu, quand même. Surtout quand c'est devant la porte d'un bunker. Ça a l'air d'aller, hein. Ils ont l'air de bien le vivre, Capitaine. Est-ce que je vous ai dit que j'étais phobique des araignées? Ah mais vous êtes déjà là-bas, vous, Capitaine? Ah oui, monsieur. La tornade veut mon boule. Mais comme cette box est trop large, elle est bloquée entre deux arbres, chef. C'est toi le chef, chef. Ah oui, moi. Ah! Pardon, l'araignée. Capitaine, je crois que dans le milieu, on dit que vous êtes une lopette, hein. Il y en a deux autres derrière vous, Captain. Une encore. Alors c'est la tornade. C'est la tornade qui est considérée comme une... Est-ce qu'on peut peut-être tirer dessus pour la réchauffer, Captain? Puisqu'après tout, on pue plus le laser. Hein. Ça a l'air convaincant, Captain. Par contre, il y a l'air d'y avoir une pile de loot juste derrière cette petite tornade, micro-tornade localisée. On peut rentrer dans un bunker. Captain, je suis rentré dans un bunker. Je répète, Captain, je suis rentré dans un bunker. J'ai pick up un medic pack. On m'a offert généreusement un medic pack, Captain. Ainsi que quelques cellules de fuel. Captain, arrêtez de dérober les gens, voilà. Non, c'est pas très convivial. Hein. Ok, très bien. Je pense qu'on peut progresser, Captain. Ah, Captain, il y a de la recherche. Il y a de la recherche, chef. Où ça? C'est toi le chef, chef. C'est la tornade. Ah non, la recherche elle est sur moi, c'est pour ça. Ah d'accord. Je vais chercher dans mon capitaine, très intéressant. Capitaine, je vais devoir faire un retour au vaisseau parce que je vais moins vite que la tornade en fait. Je déconne pas. Je suis visiblement très encombré. Oh, la tornade. Eh, hey, la tornade, tu passes pas au-dessus des arbres, hein, c'est chaud. Hein. Est-ce que tu peux juste faire tab? Non. Inventory et m'envoyer le maintenant. Non. Je suis en surpoids. J'ai une tornade au cul qui fonce dessus, le gars il a cru que... quand t'as la tornade sur toi là. Mais la tornade elle est même plus derrière toi, c'est bon, elle s'est bloquée dans un arbre. Ah bah enfin ouais, parce que bon... Non bah moi je vais monter, je remonte sur ce bunker de ces morts là et je retourne. Démerdez-vous, Capitaine, on a une foule du laser vert. Envoie-moi le medkit. Au revoir, Capitaine. Envoie le medkit ou je te kick. Au revoir, Capitaine. Okay. Ah, je reviens, mais comment je me désencombre là? Comment je vire ton fuel là? Tab. Tu fais tab, tu fais send et tu l'envoies à quelqu'un. Ah, je suis sur le vaisseau. Fais tab, inventory, tu vas sur le medkit, tu fais send et tu me l'envoies, s'il te plaît. Je l'ai envoyé à Pibot. Mais t'es sérieux? les imboclips, je vous les envoie, Captain. Hein. Non, casse-toi, me surcharge pas. Enculé! Bah, je sais pas, tu veux les trucs, moi je te donne les trucs. Hein. Je suis pas comme ça. Hein. Le smuggler pistol, tiens, qu'est-ce qu'il vaut? Mettons-le en 1. Ah. Bon, ok, la quête est cassée. Et maintenant que vous en apercevez, Captain, c'est déprimant. Compétences font petit avoir, Captain. Il m'a envoyé des imboclips, je le déteste. Range-le dans ton casier. Je peux pas l'avoir en 1. Ah, je suis obligé d'avoir les mains en 1. Tes mains en 1, ouais. Ok. Elder Trouble Biscuits, ok. Donc le smuggler pistol, je voudrais l'équipant à la place du repair gun, puisqu'après tout, je ne répare jamais rien. On va pas se mentir. Et je les vois où les munitions de ce flingue? Ah, peut-être qu'il y en a pas, hein.
aussi. C'est censé apparaître au-dessus de tes mains. Au-dessus du 1 de tes mains qui s'affiche à droite de ton écran. En bas à droite. Bah, je vois rien, moi, je vois aucune jauge nulle part. Hein. Ok, ok. Donc, c'est un petit pichetoulet infini. Par contre, je sais pas ce qu'il vaut. On peut le. Ah, ouais, il est bon. Ouais, damage 15, fire rate 5, accuracy 14. 10, 3, 7. Ah, 27 dommages, mon petit pistolet sexy laser. Celui-là ? Oh, mon petit pistolet laser plus 2, hein, mon fast pistol. Mais bon, ça ah oui, mais 3, celui-là tire plus vite, je crois. Non ? Ouais, c'est ça, il tire plus vite. Et il surchauffe moins vite. Mm-hmm. Voilà. Je suis toujours encombré, je sais toujours pas comment je me débarrasse de la surcharge. Là, ici. Et tu parles à ton casier et tu mets tes trucs dedans. Ah, faut que je dépose mon alcool ? Oui, compliqué, capitaine. Tu déposes ce que tu as dans tes poches dedans. Ah, il faut savoir aussi que dans ce attends, jeu. Attends, j'ai encore du Vortex Crystal, ça n'est pas la recherche, ça ? Non. Essayer de me voler. Moi je sais ce que j'ai. On nous a peut-être offert quelques loot, Captain, dans le vaisseau. Hein. Un petit bouclier, tout ça, c'est possible. Hein. Ah non, ça c'est ce que j'ai trouvé tout à l'heure sur la planète. Ok, c'est aussi ce que j'ai trouvé. C'est pour ça. C'est bien, Captain, faites mon taf, ça fait plaisir. Je vais faire le vôtre. Hein. Je vais vraiment vous imiter dans votre travail quotidien. Voilà. Il s'est assis sur le siège, c'est ça. Et on peut regarder pilote faire c'est un vaisseau quoi. Camouflé. L'est-il ? C'est un vaisseau camouflé, ce petit bâtard. Et donc, comment on le repère ? Enfin, comme ça, voilà. Ça y est, il est repéré, capitaine. On peut tirer dessus, comme des sourds. Non. Bah si. Il est repéré. Scannez-moi les environs, trouvez-moi ce petit bâtard. Mais il est au-dessus. Ouais, j'ai touché, moi. Réglé, hein, capitaine. Hein. Heureusement que je suis devenu artilleur. Vous pouvez me couper cette partie, cette alarme nulle, là. Ah oui, j'ai oublié de m'occuper de mon générateur. C'est ça, il montait à 600. Ouais, bah c'était très intéressant, hein, capitaine. Hein. Vraiment, c'est vraiment. Vous vouliez changer le générateur, je crois. Hein. Crétin. Ouais, capitaine. Pardon. Oui. Oui. Appelait-il capitaine? Jump. Non, il y a du scrap à récup. C'est déjà fait. Ok. Oh, vous êtes efficace, capitaine. Hein. Je crois pour un crétin intérieur, vous êtes très efficace, capitaine. Putain, mais c'est fort. Plotil, capitaine. Plotil. Attends, c'est une planète, deux secondes. Planète. J'initie le jump. Ok, ça y est, on est prêt à sauter. Il n'y a pas besoin de combinaison. Intéressant. Y'a du scrap à faire, capitaine. Hein. Et apparemment, y'a des gens. Capitaine, tenez-vous bien quand vous tenez là, s'il vous plaît. Parce que comme... voilà. Viens. Appelle-le. C'est ce que je fais, capitaine. Mais parce qu'il est là en fait, il est déjà là. Hein. Ah, très bien, capitaine. J'interagis avec la technologie, capitaine. Vous voyez bien. C'est donc les professionnels faire leur travail. Avez-vous visité le bunker, ceci dit ? Parce que je crois qu'on peut parler à Joe Pascal. On va y repasser. On va y repasser de toute façon. Très bien. Capitaine, vous volez au-dessus de moi, c'est très étrange. Posez pas de questions. Je vois ça, capitaine. Ça a l'air de débander, capitaine, là, ça redescend. Hein. Alors, capitaine. Oh, c'est quoi ça là-bas ? On soulève haut, mais enfin, on la tient pas longtemps. Hein. Ça a l'air d'être un caillou, capitaine. Figurez-vous que je perçois plusieurs cailloux. Depuis quand vous êtes scientifique? Alors, je sais pas, moi j'ai fait 15 ans d'études pour dire des vérités absolues. Très bien. Est-ce qu'on va pouvoir tuer quelques humains, capitaine? Non. Voilà,
dommage. Si vous ratez la marche, les capitaines, vous auriez eu l'air très con. Faut pas le dire. Et heureusement, bien sûr, vu que vous êtes capitaine, vous avez réussi, hein. Capitaine. Apparemment, il y a des méchants ici. Intéressant, capitaine. Moi, j'ai trouvé une mélasse. Bon, capitaine, je vous invite à prendre votre petit bain de boue annuel, hein. Oh. Qui fait ça, hein. Ouais. Par contre, ça m'a l'air fort cordial, hein. Oh, la taille des boulons de ses morts. Un clip de munitions. Un petit biscuit. C'est quoi ça? Une durite bleue. Oh, c'est... attention, c'est des fourmis qui sortent du sol. À ta gauche. Et bien votre fusil, capitaine. Ouais, moi aussi je pourrais tester le mien, après tout j'ai un clip grenade. Voilà, les grenades c'est parti. Ça explose pas à l'impact. Ça explose avec du délai. Vraiment. Ça va loin par contre, hein. Ah ouais, c'est intéressant, capitaine, hein, comme procédure. Hein. À droite, il y a de la science, mais il y a aussi un ennemi. À droite. Attention, juste là. Non. Il y a science. Sur le mur, capitaine. Faut suivre, capitaine. Merci, capitaine. J'ai pas vu. Ok, d'accord. Oh, c'est normal, vous êtes capitaine, capitaine. Hein. Il y a des ennemis à gauche. C'est quoi cette salle de l'apocalypse? Un ennemi juste là? Je sais pas, mais on se croirait presque dans les souterrains de Skyrim. Hein. Je crois qu'on est dans Skyrim en fait. On était pas au courant en fait. C'est des Dwemer qui nous attaquent. Oh merde! Bah justement, j'aimerais bien en voir quelques-uns. Parce que là, on en voit pas beaucoup. Là où tu vas, y'en a un. Je vois pas d'alien chelou, capitaine, là où je suis. Parce que t'es passé à côté, il y en a deux près du centre. Il y a un bruit d'XP hein, là où je suis. Hein. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, j'entends aussi. Il est à peu près là où je me tiens. Peut-être un peu plus bas, peut-être un peu plus haut. Il est au-dessus. Le son. Non, il est en bas. Il est en bas? Ah ouais. Le son est plus fort quand je suis en bas que quand je suis en haut. Ah ouais. Il devrait être là. Là où je me tiens à peu près. Il est là où je suis. Ah, c'est bon, trouvé. Où ça? Juste là. Et j'entends encore, après je sais pas si c'est la musique qui reste. C'est la musique qui reste. Non. C'est la musique qui reste, on peut ressortir d'ici, on a fini. J'aurais trouvé un deuxième, capitaine. C'est vrai? Non, je déconne. Je me fous de votre gueule, capitaine, mais ça marche bien. Hein. Je vous ai perdu, capitaine, je sais pas où vous êtes, capitaine. Je suis à côté, je suis en train de regarder dans les boîtes. D'accord. C'est intéressant, capitaine. Va à l'entrée. Vos ordres, capitaine. Je suis à fond, capitaine. C'est vrai que je pourrais mettre des talents points aussi pour qu'on court plus vite et plus longtemps. Ouais, mais j'ai la une petite boîte dans la vie. Ouais, non, bon, on trouvera jamais. Capitaine. Ouais, il faut faire ça, oui, capitaine. Vous avez bien raison. Hein. C'est un tir. Quoique, attends, on pourrait aussi aller voir là-bas. Hein. Ah bah oui, capitaine, tant qu'à faire. Vous tenez tellement intelligemment votre tablette, c'est vraiment... Ah, il y a du stuff. Il y en a une deuxième. Derrière. Je vais gérer, capitaine, hein. Vous faites ça super bien. Ah, ça par contre, ça a des munitions. Ça, j'en suis à peu près sûr. Mais ça fait super mal, ce pistolet-là. Que tu viens de prendre. J'en ai deux, d'ailleurs, si tu veux. Des comme ça? Ouais. Bah, tire avec, tu veux voir, c'est tout. Non, mais moi, j'ai mon pistolet. Merci. Bah, merci. Comparé à lui, il fait du 64 de points de dégâts. Donc, ah oui, ça a des ammo, c'est indiqué, ça a 20 ammo d'ailleurs.
damage. Voilà. Ah oui, 64. 64. Ouais. Ouf. Pour te donner une idée, le fusil que j'ai, il ne fait que 27 en dégâts. Mais c'est une rafale de 3. Oui, donc il fait mal. Mais le problème, c'est son recul qui est pas contrôlable. Du coup, ce qui est bien, c'est que j'ai. Moi, je suis reparti à l'entrée. Ok. Donc j'ai deux flingues, un à charge gratos et un payant. Peut-être ranger le grenade man du coup, qui sert peut-être pas à grand chose. On va pas se mentir qu'il est pas super super utile. Si jamais tu me cherches, je suis reparti à l'entrée. Par téléporteur évidemment. Non, au tout premier bunker qu'on a vu. Ouais, mais par téléporteur tu y as accédé, non? Non. J'ai sauté. T'as fait une suicide. Ouais, j'ai sauté tout en haut, je suis ressorti parce que je voulais regarder s'il n'y avait pas une autre porte. Je te conseille de mettre des petits coups de jetpack parce que si tu vas trop vite, trop proche du sol, ça va bugger le jeu et ça va te tuer instant. De mettre des petits coups de jetpack de temps en temps pour... Ah bah on a une quête ici en plus, c'est quoi? Intéressant, capitaine. Je pense que c'était pour nettoyer les fourmis. Ouais, c'était écrit clear the... clear the... Mais dis donc, vous avez un joli réacteur de vaisseau ici, hein. Vous permettez qu'on vous le vole? Voilà. Non mais laisser des munitions aux mains des scientifiques c'est dangereux, hein. Voilà. Voilà. Non mais puis c'est ouais. Surtout qu'ils avaient... Non pire, la cellule de fuel, je suis pas sûr, voilà merci. Ouais, je préfère. Tu l'as récupéré la cellule de fuel, on est d'accord? Ouais. Je l'ai vu des pops sous mes yeux. J'étais pas... Hop. Ok. Je suis surchargé, Captain. Vous aussi? Un petit peu, hein. Un poilou. Ah, il faut savoir que tu n'as pas besoin d'être sur la plateforme de... Alors, Captain, on a subi un bobo au doigt? Oui, c'est une araignée à me picoter. Attends, j'ai récupéré de la science, je crois. Non, c'est toi qui as la science? Ouais, c'est moi qui l'ai. Alors, le Fire Extinguisher ne sert à rien. Le Pulse Grenade, c'est nul. Un ammo clip, du coup, je vais en garder un. Un perfect biscuit, les sécurations, les émergency rations. Le casier a une contenance infinie. Hein. D'accord. Les sécurations encore. En tout cas, le jour où on n'a plus rien à manger, Captain, je crois qu'il faut taper dans mon casier. Hein. Et ammo clip, je vais en garder un, hein. Ça suffira. Allez. Le heavy beam, le spiegler, ok. Faut juste que je range tout mon stuff sur moi là. Parce que c'est n'importe quoi. Je vais évidemment rééquiper mon fast pistol en 1. Je vais garder le smuggler. Et par contre, je vais équiper toi en 3ème juste après le smuggler. Voilà. Et on sera un peu plus léger. Pourquoi on a perdu 50 thunes, Captain? Non, on a gagné 50 thunes. J'ai vu moins 50, Captain, moi sur mon côté. Oh, on a un WD Destroyer qui est écrasé sur une planète, si tu veux. Pose la science et on y va. Ah ouais. Go, le AC DC, le AC déconné. Super, on est ready. Allez, envoie-moi ça. Voilà, t'en avais combien? Un? Un, ouais. Tu nous as donné un des trucs les plus rares là. Ouais, un noir, un joueur en haut. Ouais. Yes. Oh, j'adore mon pistolet rose scotché quand même, c'est vraiment un petit charme, capitaine. Un petit charme là, rebelle, hein. Pas très colonial, vous voyez. Il y a deux de sciences à récupérer ici. Qu'est-ce qu'on a? Deux de sciences à récupérer ici. D'accord. C'est parti, Captain. Mais, hein. Mais le Destroyer est détruit. Est écrasé. C'est-à-dire qu'on peut rien récupérer dedans? Non. Bah il y a peut-être des choses à récupérer. Donc je vais voir. Là il y a un truc à récupérer. Mais je dis on pourra pas le scrap? Non. Mais on peut récupérer des composants dedans. Il y a un ennemi à gauche. Sur le radar cette. Oh. Il est où? Il est dans la... Ah, c'est pas lui. Sa mère. Sa grande race, j'en ai marre. Et il y a pas de tête nucléaire d'armée. Oh, ici. Tiens, prends ça. C'est ce que j'ai. Ça a l'air rigolo. Moi, ça m'intéresse de tester aussi. Puis j'ai rien en 6.
Le mec, il a des armes partout. Ah là, ça commence, hein, Captain. Hein. Je vous cache pas que ça commence à faire un merdier. Hein. Il y a deux capsules de carburant ici. Il y en a même une qui est déjà chargée. Voilà, hop. Je me genre méga rien, Captain. Hein. T'es monté sur le pont, là? Visiblement, oui, Captain. Je peux pas utiliser la toile, Captain. Ah, c'est un vaisseau de chez moi, ça. Il y a un biscuit, si tu veux. Il y a plein de choses. Il y a un pistolet qui traîne ici. Il y a le Frozen Biscuits. Il y a un autre biscuit, là. T'es juste auprès, Captain, hein. On sait que les biscuits ont une forte valeur marchande dans cet univers. Ouais. Tu peux sortir par les fenêtres, hein. Les vitres sont éclatées. Viens avec moi, on va chercher la science qui est là au-dessus. C'est les œufs d'araignée qui sont juste là. Là, c'est tuyau. Qu'est-ce qu'il y a, Captain? J'arrive pas à attraper les œufs. Ah, c'est bon, je sais. Et il y en a pas d'autres, on est d'accord? Ah, si, il en reste encore! Ça, c'est vous le capitaine, hein? Attends, peut-être. Oh, je suis tombé. Ok. Non, il y en a pas au-dessus. Ils sont où? Ils sont pas en dessous, hein? En bas? Ils sont en dessous? J'irai pas en bas, hein? Alors? Comment on va en bas? Il y a des araignées. D'accord. Ah oui, j'en vois une là. Oh, le recul de mort de ce truc. Ouais, t'as vu, c'est chiant, hein. C'est bien quand t'es collé au mec, tu lui fais des bisous, mais... J'ai trouvé un dungeon crawler. Bon, j'ai trouvé la science. À côté, mais enfin, dès que tu le touches, tu l'éclates, hein, le truc. Ah oui. Tu le touches deux fois et. Ah, par contre, on sent que je suis PC client. Où est-ce que tu es? Dans la galerie. Viens, voilà, on va. Je viens de repérer 3 œufs là où je suis. 3 œufs? Ouais, mais là où je suis. Sais pas, c'est... je crois que c'était pas ça la science. Hein. Ouais, non, c'est pas de la science, hein. Par contre, on pourra les revendre. Trouvez votre science, Captain. Vous êtes en train de faire bolosser, je crois, par une espèce alien. Ouais, je crois. Je crois qu'ils sont plus résistants que la technologie que nous on a. Ouais, il y a encore des œufs là devant. Ouais, c'est ceux-là que j'allais chercher. Je regarde derrière, mais j'en vois pas d'autres. Voilà. Et bah, on peut retourner au vaisseau du coup. Il faut savoir. Le capitaine, hein. Je ne sais pas comment ils ont fait pour s'écraser ici. Alors, même moi non plus, parce que vu. Enfin, les piliers ont l'air intacts derrière, donc. Je pense qu'il y a plus une volonté initiale de stationnement et de dissimulation qui a mal tourné, puis la carrosserie est intacte. Où est-ce que t'es? Sur le vaisseau. Bah viens là où je suis, derrière toi. Là, ici. Ouais. Parce qu'en fait on peut directement accéder au téléporteur par là. En passant à travers. Ouais, allez-y, Captain, hein. je vous suis. Hein. Oh là, c'est professionnel à la tablette. Hein. Ouais, c'est de la tablette française, hein. Faut mettre un peu de coup de boule de temps en temps dedans pour qu'elle fonctionne. Je regardais juste s'il y avait rien sur la table parce que t'as mis pétrole. C'est bon, le capitaine, ouais. Capitaine, vous savez, moi je me permettrai pas de vous critiquer. Tu peux mettre la science. Ah non, c'est moi qui ai la science. À moins que j'en ai aussi. Non, les œufs, c'en est pas. Les fungal spore pod, c'en est pas du tout, t'es sûr? Non, tu les as rentrés dedans, t'as check. Non, mais regarde, ils donnent de la vie. Donc ça sert à rien, quoi.
C'est en fait, c'est des trucs à revendre. Ok, on a ramassé un peu de matos en vrai. Hein. Je sais pas si ça vaut le coup, mais... Bah, le fusil, il est... c'est un plus combien que t'as en fusil? Donc le Heavy Beam Pistol, il est très rigolo, mais qu'est-ce qu'il est nul, hein. Il tire et il traverse plusieurs ennemis, hein. Oui, mais il a une précision... horrible. Ah... ouais... Non mais c'est pas... ouais, c'est de la merde. Par contre, je l'ai plus mon hyper pistol là. Je l'ai rangé dans ton casier. Ouais, sûrement. Hein. Si je le retrouve là-dedans, hyper gun. Bon, en vrai, il me sert à rien, il dégage. En vrai. En vrai, je me sers de rien, moi je fais plus sur les gens et c'est tout. 1, 2, 3, puis bon, on va déplacer, changer de slot, tu te mets en 4, voilà. Très bien. Voilà, très bien. Ah, un scrap supplémentaire. Intéressant, Captain. D'ailleurs, on commence à avoir combien de scrap là dans cette histoire? Beaucoup. Ça commence à intéresser la population civile de terre, de la Terre. Oh. Oh ouais, un warrior, lol. Oui, il est mort. C'était bien. Sinon, qu'est-ce que je cherchais moi? Ouais, la quantité de scrap. Oh, 24, Captain, 24, hein. Comment ça, 24? Bah 24 scrapas, hein. Et qui s'occupe du réacteur? Bah moi, je suis en train de regarder là, ça se passe très bien. Tu es sur le pont? Ah non, c'est derrière. Je suis en bas, je suis aux machines. Ah, on est même à 850 si tu veux tout savoir. On s'en fout, ça se passe très bien. Laissez-le le buter, tranquille. Laser tourette ou la lightning tourette. Ah. Ça coûte pas cher à augmenter, hein. Ça vaut le coup, hein. On passerait à 110 dommages, hein. Et ça augmente pas la consommation d'énergie ici? Bon, un poil loup. 10% à peu près, ouais. Enfin, un peu plus. En fait, tu passes de 9000 à 10500. Mais bon, tu prends tous des dégâts, hein. Ouais, bah en fait, ça fait déjà très très mal comme ça, tu vois. Ah oh, bah attends, faut la viabiliser. Celle qui est la plus intéressante. Ça coûte que 7 de la monter. Attends, je vais voir d'autres, hein. La main tourette, on peut la monter? Ah, on l'a jamais montée ou quoi? Ah si, mais elle coûte rien à monter, elle coûte que 7. Mais et elle, en fait, pour le coup, elle consomme pas plus. Elle gagne juste presque une centaine de dégâts. Elle et passe de 485 à 541. Dans ce cas-là, si tu veux qu'on améliore une tourette, on va chercher le boss de la colonie et on prend cette tourette. Si tu veux, enfin là ce que je voulais dire c'est que ça coûte que 7 et on gagne presque 100 dégâts quoi. On en gagne 40, 50, 56. On gagne 56 dégâts quoi. C'est beau. Pour 7 de scrap. Et ça change pas sa puissance. Ça t'intéresse ou tu refuses parce que t'es un capitaine? On peut pas le faire ici. Super. Le Adelaide Thruster, mais c'est de la merde. On parle de ça. Attends, cette fusion reactor. Il est nul. Tu sais que la prochaine upgrade, elle nous monte de 2200. Hein. Oui, vous. Bon, ça coûte 17. Et il est très bien notre reactor. Je ne permets pas de le critiquer, mon reactor. D'accord, parce qu'on est peut-être capitaine du vaisseau et du crétin qui tire la barre là-bas. Mais et de l'autre naze qui attend en bas avec son healing gun là. Avec vous avez bobo au doigt! Vous avez bobo au doigt! Voilà. Et l'autre taré du laser, il dort sur son canon laser, on l'a vu. Je vais même vous dire, capitaine, qu'il se passe deux choses avec, avec son laser. Ah, vous êtes un peu nul, capitaine, mais c'est fait. Je suis en train de regarder. L'épisode est long, capitaine, hein? Ouais, bah on peut y aller. Hein, bah, faut. Je sais pas, c'est vous le capitaine, hein. Je pense qu'on va faire l'épisode ici, capitaine, hein. Ouais, moi je pense qu'on peut faire ça aussi. La session planète est terminée là. Non, donc bah, l'année prochaine, la prochaine vidéo, si ce sera ça. Hein. Ah, bah, ça sera une planète session. Allez, bah, des bisous, tout le monde. Allez, adieu.